Situé à deux pas des Champs-Élysées, le Petit Palais abrite le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, ce joyau architectural regroupe une riche collection allant de l'Antiquité au XIXe siècle. Tout d'abord constitué par la ville de Paris auprès des artistes de l'époque, cette collection s'est ensuite enrichie par plusieurs donations, comme par exemple le legs des frères Dutuy ou encore celui de Julia et Édouard Tuck. Nous avons rendez-vous avec Annick Lemoine, directrice du Petit Palais, pour faire un pas au musée. Quand vous arrivez devant le Petit Palais, vous êtes face à cette entrée monumentale. Il vous faut gravir les escaliers qui vous permettent de pénétrer dans le Petit Palais au travers de grilles dorées extraordinaires. Et en face de vous, vous voyez au travers des verrières le jardin qui marque le centre du musée autour duquel se déroule l'ensemble des galeries. Ensuite, le visiteur pénètre dans la grande galerie des sculptures, une galerie extrêmement lumineuse où sont mises en scène une série de sculptures qui sont des modèles en plâtre destinés à préparer les grandes sculptures qui viennent orner les places de la ville de Paris. Et vous pouvez déambuler entre une Diane Chasseresse, une danseuse élevant sa jambe au-dessus de sa tête. Et c'est ce qui fait l'originalité de cette galerie, c'est cette présentation qui reproduit la présentation de l'époque, de la fin du 19e siècle, avec non pas quelque chose de éthéré et classique, mais riche, foisonnant, où on peut déambuler d'une sculpture à l'autre au gré de sa curiosité. Après avoir découvert la galerie des sculptures, on pénètre dans la galerie des grands formats, où là, à nouveau, nous avons souhaité reconstituer, évoquer la présentation des grands formats du 19e siècle tels qu'ils étaient présentés à l'époque, à la fois au début de cette grande galerie, l'évocation de la parisienne, de la fin du 19e siècle, hein, qui est un modèle d'élégance, du chic parisien. Puis on pénètre et on découvre les grands chefs-d'œuvre de Courbet, plus d'une dizaine de chefs-d'œuvre, des toiles monumentales évoquant aussi la vie quotidienne de la fin du 19e siècle. Nous sommes ici devant l'un des tableaux préférés des visiteurs du Petit Palais et l'un de mes tableaux préférés également. C'est ce grand format de Léon l'Ermite représentant les Halles de Paris. Hein, si vous regardez à l'arrière-plan, vous reconnaissez l'église de Saint-Eustache et ce tableau témoigne d'un moment de la vie quotidienne de Paris, les Halles au petit matin, avec le fourmillement à la fois des vendeurs, des Parisiennes et des Parisiens qui viennent faire leurs courses aux Halles. On voit par exemple l'anxiété de la maraîchère qui présente ses choux, une très très belle nature morte au premier plan avec ses citrouilles extraordinaires, à la fois la présence des enfants. Ici, on restaure les maraîchers qui ont amené très tôt le matin leurs produits. Aujourd'hui, les grandes halles de Paris se situent non plus au cœur de Paris, mais à Rungis. Et ici, vous voyez encore le témoignage des halles parisiennes qui se trouvaient à la fin du 19e siècle au cœur de la capitale. Quittant la galerie des grands formats, on pénètre dans la salle romantique où vous pouvez admirer à nouveau de très grands formats évoquant les grandes révolutions qui ont marqué le 19e siècle, pour ensuite pénétrer dans la salle consacrée aux impressionnistes avec des œuvres de femmes artistes, qui ont elles aussi suivi ce mouvement impressionniste avec un tout petit chef-d'œuvre magnifique d'une grande intimité, La jeune femme à la barrière d'Eva González, ou bien une autre composition extrêmement moderne d'une américaine, elle aussi impressionniste, Marie Cassatt, et qui représente une scène de bain
mères et enfants, mais avec un point de vue tout à fait original, puisque c'est vu en plongée, d'en haut. On ne voit que le plan d'eau, la barque et les personnages sur cette barque. Nous sommes dans la salle des impressionnistes, devant l'une des Jocondes du Petit Palais, le chef-d'œuvre de Monet, Soleil couchant sur la Seine à Lavacourt. Effets divers, c'est un tableau de la toute fin du 19e siècle, hein, 1880. Monet relève le défi de peindre en face le soleil couchant sur la Seine. Et vous voyez que ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait se mélange l'eau et le ciel avec, et c'est la spécificité de l'impressionnisme, cette touche extrêmement diluée, très rapide, où l'artiste s'est aussi intéressé à représenter les reflets de la végétation. Nous sommes en hiver, donc ce sont ces silhouettes très dessinées des arbres qui se reflètent dans l'eau et qui tout de suite prennent un profil plus mouvant. Cette œuvre est aussi un chef-d'œuvre de l'impressionnisme parce qu'elle montre l'intérêt de l'artiste et sa capacité à représenter l'instant. Monet travaille en plein air, en plein hiver, il est devant le motif, devant la Seine et ce soleil rougeoyant, orange, vif, qui reflète ses dernières lueurs sur la Seine, où l'on aperçoit aussi, mais c'est en arrière-plan, ça n'est pas l'intérêt principal de l'artiste, la présence humaine, quelques petites barques avec des pêcheurs sur cette Seine. C'est une symphonie de bleu, de vert, illuminée par ce rond orange, hein, cette bille orange qui est ce soleil couchant qui vient réveiller les tonalités froides choisies par Monet pour évoquer ce soleil couchant en plein hiver dans la périphérie de Paris. Après la salle des impressionnistes, on pénètre dans la salle, on l'appelle la salle Concorde, jaune, où vous pouvez découvrir les œuvres post-impressionnistes du Petit Palais, parce que nos collections se terminent en 1914 et nous avons des chefs-d'œuvre de Rodin, de Cézanne, de Vuillard, de Vallotton, qui permettent d'expliquer les avant-gardes au tout début du XXe siècle. Le visiteur est amené ensuite à descendre à l'étage inférieur où vous retrouvez un parcours chronologique depuis notre exceptionnelle salle consacrée à l'Antiquité grecque et romaine pour découvrir les trésors de la Renaissance. Et je souhaite insister aussi sur l'une des singularités du Petit Palais, qui est celle de présenter une salle dédiée aux arts chrétiens d'Orient. Et nous présentons dans cette salle une collection exceptionnelle d'icônes, avec une mise en scène spécifique, une mise en lumière singulière et des outils de médiation qui permettent de recontextualiser ces œuvres dans leur époque et avec leur usage religieux. Vous y découvrez des icônes d'une rareté extrême ainsi que des objets religieux de cette époque. La visite se poursuit avec des salles consacrées au XVIIe siècle et on y retrouve les plus grands noms du XVIIe siècle français comme Poussin ou bien les grands artistes flamands et hollandais, Rubens, Jordaens et évidemment une salle consacrée à l'âge d'or de la peinture hollandaise. Et là, une autre Joconde du Petit Palais, cette magnifique autoportrait de Rembrandt tout jeune. C'est une œuvre originale de Rembrandt. Vous savez qu'il s'est représenté de très nombreuses fois, mais c'est le seul autoportrait où il se soit représenté en pied. Rembrandt a ici 25 ans et il se représente en pied, en costume oriental et avec un extraordinaire caniche à ses pieds.
En réalité, ce détail piquant est le résultat d'un mécontentement de Rembrandt. Il n'était pas satisfait de ses pieds, de ses jambes, de leur taille, et ne parvenant pas au résultat qu'il recherchait, il peint cet extraordinaire petit caniche. Et si vous vous rapprochez, vous verrez que c'est un caniche tout à fait vivant, humain. Il a un regard, il regarde vers l'extérieur, et l'artiste a travaillé tout le détail du pelage avec des colorations extraordinaires, des blancs vers les bruns, les roux. Rembrandt ici cherche aussi à se montrer en majesté. Rembrandt travaille son regard, hein. Il se montre en artiste établi, et son regard va bien au-delà de nous, il est perdu dans le lointain, comme s'il pensait à l'avenir, peut-être à son avenir. Au niveau inférieur, le visiteur retrouve le 19e siècle par le romantique, avec des chefs-d'œuvre d'Ingres, une collection de pré-raphaélites, mais également la salle à manger Guimard, hein, qui vous permet de pénétrer dans une salle à manger dont l'ensemble des œuvres, du décor, les boiseries, la table, les chaises ont été dessinées par Guimard, l'inventeur, vous le savez, des sorties de métro parisiens. Les collections permanentes du Petit Palais sont gratuites, ce qui vous permet de venir une fois, de revenir. C'est un musée du quotidien. Parallèlement à votre visite, le Petit Palais offre de multiples activités, à la fois destinées aux enfants et aux familles, ateliers, visites thématiques ou bien pour les adultes, groupes ou individuels, un cycle de conférences qui vient à la fois donner de nouvelles autres clés de lecture sur les collections permanentes ou encore sur nos expositions. Après sa déambulation dans les collections du Petit Palais, le visiteur peut se rendre dans le jardin et profiter du café-restaurant dans cet écrin de verdure au cœur de la capitale. Rendez-vous au Petit Palais de 10h à 18h pour faire un pas au musée.